en train de dire, c'est encore ici votre frère. Vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai fait l'interview avec, Néliane Tsengkam qui a eu 4 admissions dans différentes universités. Voilà, elle parlait d'un certain Rostand qui l'a cherché, qui aujourd'hui est comme son papa. Voilà, je lui ai dit, pardon, prends-moi quelques minutes, je vais te poser des questions spontanément. Voilà, tu donnes ton nom, tu n'as même pas besoin de tout donner ton nom. Moi, c'est Clavel Rostand. Voilà, Rostand. Je vais te poser, ça fait combien de temps peut-être tu es ici? Et je suis en train de tirer ma septième année. Voilà. Dans plusieurs années. Plusieurs années. Voilà. Si je te demande quel conseil tu vas donner à ces enfants-là qui viennent d'arriver? À tous ceux qui viennent d'arriver, tout ce que je dois dire, c'est restez vous-même. Ne vous prenez pas la grosse tête. Et sachez ce pourquoi vous êtes venu. Tu dois savoir pourquoi. Tu sais que je suis ici, c'est pour les études. Je ne dois pas trop me lancer dans la fête. Je ne dois pas trop m'évader. Je ne dois pas oublier mon objectif. Ça veut dire que tu viens d'abord pour tes études. Si tu veux tout faire, finis d'abord tes études. Fais tout pour être diplômé. Et après ton diplôme, que le Seigneur te permet de trouver un boulot. Là, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tu peux t'amuser et tout. Mais sache que tu es là pour un objectif et reste focalisé sur ta cible. Voilà. Pour les objectifs, tu as parlé donc des objectifs restés focalisés sur la cible. Si on te dit les conseils, les pièges à éviter à ces nouvelles personnes qui arrivent là, quels sont les pièges ou qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Comme conseil que je dois donner, c'est ne pas trop écouter les gens, les on-dit, le racontage. Et toujours se mettre avec les bonnes personnes. Parce que ceux qui ont échoué vont vous faire comprendre que vous allez forcément échouer aussi. Et les autres vont vous faire comprendre qu'il y a des raccourcis et par lesquels il faut passer pour pouvoir réussir. Mais non, dites-vous, il y a un Dieu, vous devez croire en vous d'abord, croyez en vous, soyez focalisés, rapprochez-vous des bonnes personnes et éloignez-vous des grands bavards, des gens, des raconteurs. Voilà. Quand tu parles à discrétion, c'est dans quel sens? Tu fais aussi partie des gens qui fêtent? Bon, pour la fête, ça peut vous arriver un week-end, peut-être un ami peut vous inviter, vous partez, vous allez aussi vous défouler parce que aussi trop d'études, parfois tu as aussi l'étude. Et sachez qu'il y a un temps pour toute chose. C'est tout. Dites-vous ça, mettez-vous ça dans la tête, il y a un temps pour toute chose. Et évitez d'être trop vagabond. C'est-à-dire quoi? Vagabond, ça veut dire être que dans toutes les fêtes, on vous voit. Ça a aussi une mauvaise image de vous. Et sachez faire des choses je vais dire, abstinence. Abstenez-vous de trop fêter. Abstenez-vous aussi de trop vous renfermer aussi. Tout Ça à fait. tue aussi. Ouais. Parfois, essayez de faire la part des choses. Un peu fête, un peu école, un peu boulot, un peu tout. Bon. Les églises, voilà. Les églises Par ici. rapport à l'église, Aux églises, par hein. rapport aux églises, il y a ta croyance et reste ta croyance. Ça veut dire que la croyance, c'est d'abord dans le cœur. Si au pays tu croyais, ici ça ne change pas. Il y a un seul Dieu. Et prie, même si des amis t'invitent quelque part, tu peux aller, tu arrives, tu vois comment ça se passe. Si ton cœur ne te convainc pas, non, tu sors, tu ne remets plus les pieds là-bas. Et tu pries. Tu dis à Dieu de te donner, de te montrer le bon chemin. Là où tu vas aller, tu vas te sentir à l'aise. Tant mieux, tu peux aller. Mais si tu ne te sens pas convaincu d'aller quelque part, tu restes Voilà. prier. Ce qu'on Je sais appelle pas. par exemple Congo, ça, est-ce qu'ici en Europe, il y en a ça? Plus qu'en Afrique. Ah bon? Il y a le commérage ici, plus qu'en Afrique, sans vous mentir. Parce que il arrive des fois où les gens bavardent beaucoup. Certains n'ont pas de boulot et ils vont rester dans des cafés, ils vont faire du commérage sur des gens qui ne savent même pas. Du coup, vous allez voir quelqu'un, on a vraiment noirci son nom et il ne connaît même pas. On va parler de toi en ta présence sans toutefois te connaître. Et tu vas réaliser que hey, c'est de moi qu'on est en train de parler. Ou bien, certains peut-être vont vous voir, soit peut-être bien vêtus, ils ne savent pas comment vous faites pour avoir votre argent. Ils ne savent pas peut-être que vous travaillez la nuit. Tout à fait. Ça, c'était le cas avec certains amis. Du fait que on partait en classe,
On rentrait, peut-être il est 18h, on rentrait. Pendant que vous partez dormir, la nuit, il part faire un boulot. Il fait le boulot de nuit. Ce qui fait que le lendemain, tu vas le revoir en classe. Certes, il est fatigué, mais après, tu vas le voir bien vêtu. Tu vas commencer à dire, ah, c'est un gigolo. Il est entretenu par les femmes. Ou bien, il fait ci, il fait ça. Mais non, si tu vois quelqu'un, rapproche-toi de lui, cherche à savoir ce qui est avant de te mettre à parler de lui. Pourquoi même parler des autres? Essaye de vivre ta vie et ne te préoccupe pas de la vie des autres. Tu as été un peu déjà une fois été victime de ça ici, si on te demande de raconter, été victime quand on a parlé de toi. Oui, bon, être victime, oui, toujours. Tu ne peux pas être ici sans qu'on ait parlé de toi. Hein. Même si tu as fait, tu n'as rien fait, on va toujours parler de toi. Du coup, moi, l'âme que j'ai, c'est la discrétion. Ah, parfait, C'est la discrétion. discrétion. Voilà. Je préfère que tu dises des choses en faux sur moi que je préfère que tu racontes des choses sur moi. Moi, je m'en fous Voilà. et je préfère être discret. Je ne permets pas à tout le monde d'entrer dans ma vie. Ce qui fait que Parfait. il faut sélectionner ses amis, il faut sélectionner ceux qui doivent entrer dans votre vie parce que c'est ça aussi. Quand tu ne fais pas une sélection, tu permets à n'importe qui d'entrer dans ta vie, tu permets à toute catégorie d'animaux, d'insectes d'entrer dans ta vie, ils vont te ronger et tu vas croire que ce sont tes amis, mais ce n'est pas le cas. Ils vont dire des choses de mauvais sur toi. Bon, moi je dis l'âme essentielle, c'est être beaucoup discret. Parfait. Voilà, bon, je vais finir avec ça. Tout à l'heure, tu disais, Nélia m'a parlé de toi. On se détend un Ouais. peu. Bon, oui, pour Ouais. c'est l'oncle de l'Angleterre Ouais. qui m'a le plus parlé de vous. Ouais. Et il m'a dit, voilà, le grand là, vraiment, il fait quelque chose de bien pour aider nos petits frères et petites sœurs qui sont au pays. Certes que les gens ont toujours dit en faux, le concernant, plusieurs voient toujours la nacre, plusieurs voient toujours la frappe, mais il vous montre avec les faits palpables. Ça veut dire, on vous montre quelqu'un qui était en Afrique et quelques années après, ou bien l'année qui suit, on vous montre la même personne en Europe. Au lieu de mal parler, au lieu de raconter, rapprochez-vous juste de lui pour demander c'est quoi ton secret. Je crois que c'est la chose à poser que de raconter du n'importe quoi. Du coup, on m'a parlé de lui et quand je vous ai vu, je vous ai dit, ah ouais, c'est vous. On m'a tellement parlé de vous. C'est un privilège de vous rencontrer, c'est aussi une joie aussi de vous connaître. Ok. Vraiment, merci. Je ne vais pas être long. J'aimerais juste articuler sur, empiéter, appuyer sur ce que M. Rostand a dit. Le père de Néliane qui vient de te passer le témoignage parce que, voilà. La discrétion, chers amis. La discrétion, c'est la mère de la. C'est la clé de la réussite. La discrétion. Et si même dans la vie, quelqu'un produit des résultats ou fait quelque chose que vous enviez, que vous n'aviez pas, au lieu de mouchader, rapprochez-vous, comme Rostand l'a dit, vers cette personne. Demandez-lui comment est-ce qu'il l'a fait. Il doit vous montrer, vous allez faire, et vous allez avoir des résultats. Et le secret même de la vie, de la réussite, c'est de marcher avec ceux qui ont déjà réussi. Réussi. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.